Merci, Jean-Antoine. Nous, on connaît la nôtre. C'est sur le sable, wow. Les yeux dans l'eau. Hey, pour vrai, ouais. Le dernier segment qu'on vient de faire en dehors des ondes était savoureux. On vous invite à notre prochain karaoké parce que je pense que c'est une performance mémorable. Parce que du moment qu'on dit Hélène de Rogoisine, oui. On parle la chanson, tout le monde connaît les paroles. On peut pas faire autrement que d'avoir le goût d'aller célébrer le 35e anniversaire de cet album mythique. Parce que oui, c'est une chanson, mais c'est d'abord un album. Et hier, en conférence, Rogoisine a fait l'annonce de cette tournée qui va s'arrêter à Québec, Ottawa, Montréal, Trois-Rivières en 2024 à compter du 8 mars. Un album qui avait été certifié diamant avec plus d'un million de copies vendues. Ça avait lancé la carrière carrément de Rogoisine. Il s'était retrouvé au sommet à ce moment-là avec de ses plus grands succès que vous pourrez donc entendre sur scène. Vous invite à réserver vos billets dès maintenant sur rockvoisine.com. Seul sur le sable, les yeux dans l'eau. Mon rêve était trop beau. Et puis s'achève, partira. 100 000 lieues, à oublier ton sourire. Et tellement de souvenirs. Elle était là, j'ai l'air de chanter tout seul. Et je continue de parler de Rogoisine. Puisqu'il fera partie de ces trois productions originales qui vont être présentées en 2024, il y aura un documentaire sur lui, sur son parcours impressionnant, avec des prestations et des confidences. Documentaire de 90 minutes. Il y aura aussi un projet de documentaire sur Marie-Lou pour se marquer son grand retour à la musique. Une troisième production originale présentée l'an prochain. Magazine humoristique avec Marthe Laverdière qui recevra des invités pour parler d'horticulture. Make me think about you. Pourquoi tu pars? Reste ici. J'ai tant besoin d'une amie. À tantôt, Sabrina. Hey, t'es sortie ta tablette? Oui. Tu me formes une liseuse?